Œuvre de Maria Valtorta, tome 4, chapitre 265, intitulé Instruction aux 12 apôtres qui commencent leur ministère, le 28 août 1945. Jésus et les apôtres sont assis à table dans la maison de Capharnaüm. Ils sont tous présents, ce qui montre que Judas, sa retraite finie, a rejoint ses compagnons. C'est le soir. La lumière du jour qui se meurt pénètre par la porte et par les fenêtres grandes ouvertes, laissant voir le passage du pourpre du crépuscule à un rouge violet foncé irréel, qui s'effrange à ses bords en effilochure d'une couleur violet ardoise, qui se termine en gris. Cela me fait penser à une feuille de papier qu'on a jetée au feu, qui s'allume comme le charbon sur quoi elle est tombée, mais qui, sur ses bords, après la flambée, se recroqueville et s'éteint avec une couleur de plomb bleuâtre qui finit en un gris perle presque blanc. Il va faire chaud, dit Pierre, d'un ton sentencieux, en montrant le gros nuage qui couvre l'Occident de ses couleurs. De la chaleur, mais pas d'eau. C'est de la brume, pas un nuage. Moi, cette nuit, je vais dormir dans la barque pour être plus au frais. Non. Cette nuit, nous allons au milieu des oliviers. J'ai besoin de vous parler. Maintenant, Judas est revenu. C'est le moment de vous perfectionner. Je connais un endroit aéré. Nous y serons bien. Levez-vous et allons-y. C'est loin? Demandent-ils en prenant leur manteau. Non, très proche. À un jet de pierre de la dernière maison. Vous pouvez laisser vos manteaux. Prenez cependant l'amadou et un allume-feu pour y voir au retour. Ils sortent de la pièce du haut et descendent l'escalier après avoir salué le maître de maison et sa femme qui prennent le frais sur la terrasse. Jésus tourne résolument le dos au lac. Et, après avoir traversé le village, il fait 200 ou 300 mètres parmi les oliviers d'une première petite colline qui se trouve derrière le village. Il s'arrête sur une butte qui, par sa situation dégagée et libre de tout obstacle, profite de tout l'air dont on peut jouir en cette nuit de chaleur étouffante. Asseyons-nous et soyez attentifs. L'heure est venue pour vous d'évangéliser. J'en suis à peu près au milieu de ma vie publique pour préparer les cœurs à mon royaume. Il est temps désormais que mes disciples prennent part eux aussi à la préparation de ce royaume. Les rois agissent ainsi quand ils ont décidé de conquérir un royaume. Ils commencent par enquêter et fréquenter des personnes pour se rendre compte des réactions et les gagner à l'idée qu'ils poursuivent. Puis ils développent la préparation d'entreprise en envoyant des éclaireurs sûrs dans les pays à conquérir. Ces éclaireurs sont de plus en plus nombreux jusqu'à ce que le pays soit bien connu, avec toutes ses particularités géographiques et morales. Cela fait, le roi parachève son œuvre en se proclamant roi du pays et en se faisant couronner. Le sang coule pour y arriver, car les victoires coûtent toujours du sang. Nous sommes prêts à combattre pour toi et à verser notre sang, promettent unanimement les apôtres. Je ne verserai pas d'autre sang que celui du saint et des saints. Du sang? Je ne verserai pas d'autre sang que celui du saint et des saints. Tu veux commencer la conquête par le temple en faisant irruption à l'heure des sacrifices? Ne divaguons pas, mes amis. L'avenir, vous le connaîtrez en son temps, mais ne frémissez pas d'horreur. Je vous assure que je ne perturberai pas les cérémonies par la violence d'une irruption. Un n'en seront pas moins bouleversés, et il y aura un soir où la terreur empêchera les prières rituelles. La terreur des pécheurs. Mais moi, ce soir-là, je serai en paix. En paix spirituellement et physiquement. Une paix totale, bienheureuse. Jésus regarde les 12 un par un, et c'est comme s'il regardait à 12 reprises la même page, et il lisait à 12 reprises le mot qui est inscrit. Incompréhension. Il sourit et poursuit. J'ai donc décidé de vous envoyer pour pénétrer plus avant et plus à fond que je ne pourrais le faire tout seul. Cependant, entre ma manière d'évangéliser et la vôtre, il y aura des différences imposées par la prudence dont je dois faire preuve pour ne pas vous exposer à de trop grandes difficultés, à des dangers trop sérieux pour votre âme et aussi pour votre corps, et pour ne pas nuire à mon œuvre. Vous n'êtes pas encore assez formé pour pouvoir aborder n'importe qui sans dommage pour vous ou pour lui, et vous êtes encore moins héroïque, au point de défier le monde par l'idée en allant au-devant des vengeances du monde. Aussi, dans vos tournées, vous n'irez pas me prêcher chez les païens et n'entrerez pas dans les villes de Samaritains, mais vous irez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a encore beaucoup à faire auprès d'elles. En vérité, je vous dis que les foules qui vous paraissent si nombreuses autour de moi sont la 100e partie de celles qui, en Israël, attendent encore le Messie, mais ne le connaissent pas, et ne savent pas qu'il est vivant. Portez-leur la foi, et faites-leur connaître ma personne. Sur votre chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche.
que ce soit la base de ce que vous annoncerez. Appuyez sur elle toute votre prédication. Vous m'avez tant entendu parler du royaume, vous n'avez qu'à répéter ce que je vous ai dit. Mais l'homme, pour être attiré et convaincu par les vérités spirituelles, a besoin de douceur matérielle, comme si elle était un éternel enfant qui n'étudie pas une leçon et n'apprend pas un métier s'il n'est pas alléché par quelques gâteries de sa mère ou par une récompense de son maître d'école ou d'apprentissage. Moi, afin que vous ayez le moyen que l'on vous croit et qu'on vous recherche, je vous accorde le don du miracle. Les apôtres, hormis Jacques, fils d'Alphée et Jean, bondissent sur leur prix en criant, protestant, s'exaltant, chacun selon son tempérament. En fait, il n'y a guère que Judas à se pavaner à l'idée de faire un miracle. Avec le peu de considération qu'il a pour porter une telle accusation fausse et intéressée, il s'écrie. Il est temps pour nous aussi d'en faire, pour que nous ayons un minimum d'autorité sur les foules. Jésus le regarde en silence. Pierre et Simon le Zélote qui sont en train de dire « Non Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'une si grande chose. Cela revient aux saints » interviennent contre Judas. Simon le Zélote dit « Comment te permets-tu de faire un reproche au maître, homme sot et orgueilleux ?» Pierre ajoute « Le minimum ? Et que veux-tu faire de plus qu'un miracle ? Devenir Dieu toi aussi ? As-tu la même démangeaison que Lucifer ?»« Silence !» intime Jésus. Il poursuit. Il y a quelque chose d'encore plus grand qu'un miracle, et qui convainc également les foules, avec plus de profondeur et de durée, une vie sainte. Mais vous en êtes encore loin, et toi, Judas, plus que les autres. Mais laissez-moi parler, car c'est une longue instruction. Allez donc, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts du corps et de l'âme, car le corps et l'âme peuvent y être également malades, lépreux, morts. Et sachez-vous aussi comment on s'y prend pour accomplir un miracle. Par une vie de pénitence, une prière fervente, un désir sincère de faire briller la puissance de Dieu, une humilité profonde, une charité vivante, une foi ardente, une espérance qui ne se trouble pas devant les difficultés d'aucune sorte. En vérité, je vous dis que tout est possible à celui qui en possède, en lui ces éléments. Même les démons s'enfuiront quand vous prononcerez le nom du Seigneur, et si vous avez cela en vous, ce pouvoir qui vous est donné par moi et par notre Père, il ne s'achète pas à prix d'argent. Seule notre volonté l'accorde et seule une vie juste le maintient. Mais comme il vous est donné gratuitement, donnez-le gratuitement aux autres, à ceux qui en ont besoin. Malheur à vous si vous rabaissez le don de Dieu en le faisant servir à remplir votre bourse. Ce n'est pas votre puissance, c'est la puissance de Dieu. Servez-vous-en, mais n'en faites pas votre propriété en prétendant « elle m'appartient ». Comme elle vous est donnée, elle peut vous être retirée. Il y a un instant, Simon-Pierre a dit à Judas « As-tu la même démangeaison que Lucifer ?» Il a donné une juste définition. Dire « Je fais ce que Dieu fait parce que je suis comme Dieu », c'est imiter Lucifer. On connaît son châtiment. Nous savons aussi bien ce qui est arrivé aux deux du paradis terrestre qui mangèrent le fruit défendu, à l'instigation de l'envieux qui voulait jeter d'autres malheureux dans son enfer, en plus des anges rebelles qui y étaient déjà, mais aussi à cause de leur démangeaison personnelle du parfait orgueil. L'unique fruit de votre action qu'il vous soit permis de prendre, ce sont les âmes que vous conquérez au Seigneur grâce à ses miracles et qui doivent lui être données. Voilà votre argent, rien d'autre. Dans l'autre vie, vous jouirez de ce trésor. Allez, sans richesse, n'emportez ni or, ni argent, ni pièces de monnaie dans vos ceintures. Ne prenez pas de sac de voyage avec deux ou plusieurs vêtements, ni sandales de rechange, ni bâtons de pèlerin, ni armes humaines. Car pour le moment, vos visites apostoliques seront courtes. Nous nous retrouverons chaque veille de Shabbat et vous pourrez changer vos vêtements humides de sueur sans avoir à emporter de vêtements de rechange. Nul besoin de bâtons, car le chemin est plus facile et ce qui sert sur les collines et les plaines est bien différent de ce qui sert dans les déserts ou sur les hautes montagnes. Pas besoin d'armes. Elles sont bonnes pour les hommes qui ne connaissent pas la sainte pauvreté et qui ignorent le divin pardon. Mais vous n'avez pas de trésor à garder et à défendre contre les voleurs. Le seul à craindre, lui qui la rompt pour vous, c'est Satan. Et lui, il se vint par la conscience et la prière, pas avec des épées et des poignards. Si l'on vous offense, pardonnez. Si on vous dépouille de votre manteau, donnez aussi votre tunique. Restez même tout à fait nu par douceur et détachement des richesses. Vous ne scandaliserez pas les anges du Seigneur et pas non plus l'infinie chasteté de Dieu, car votre charité vêtirait d'or votre corps nu. La douceur vous ferait office de ceinture
et pardonnez aux voleurs, vous donnerez un manteau et une couronne de roi. Vous serez donc mieux vêtus qu'un roi, et non pas d'étoffe corruptible, mais d'une matière incorruptible. Ne vous préoccupez pas de votre nourriture. Vous aurez toujours ce qui convient à votre condition et à votre ministère, car l'ouvrier mérite la nourriture qu'on lui apporte, toujours. Si les hommes n'y pourvoyaient pas, Dieu lui-même pourvoirait aux besoins de son ouvrier. Je vous ai déjà montré que, pour vivre et pour prêcher, il n'est pas nécessaire d'avoir le ventre plein de la nourriture que l'on a avalée. C'est la destinée des animaux impurs dont la mission est de s'engraisser pour être tués et engraisser les hommes. Mais vous ne devez alimenter que votre âme et celle d'autrui de nourriture qui apporte la sagesse. Oh, la sagesse se dévoile à une âme qui n'obscurcit pas l'excès de nourriture et à un cœur qui se nourrit des réalités surnaturelles. Vous n'avez jamais été aussi éloquent qu'après votre retraite sur la montagne. Or, vous ne mangez alors que l'indispensable pour ne pas mourir, et pourtant, à la fin de la retraite, vous étiez fort et joyeux comme jamais. N'est-ce pas vrai? Dans toute ville ou localité où vous entrerez, informez-vous sur ceux qui méritent de vous accueillir. Non parce que vous êtes Simon, Judas, Barthélemy, Jacques, Jean ou un autre, mais parce que vous êtes les envoyés du Seigneur. Quand bien même vous serez des rebuts, des assassins, des voleurs, des publicains, maintenant repentis à mon service, vous méritez le respect parce que vous êtes mes envoyés. Je vais même plus loin. Malheur à vous si vous n'avez que l'apparence d'être mes envoyés et si vous êtes intérieurement abject et donné à Satan. Malheur à vous. C'est encore trop peu que l'enfer pour rétribuer votre duperie. Mais même si vous étiez ouvertement des envoyés de Dieu, mais secrètement des rebuts, des publicains, des voleurs, des assassins, et même si des soupçons s'éveillaient dans les cœurs à votre sujet, si ce n'est une quasi-certitude, on vous devra encore honneur et respect parce que vous êtes mes envoyés. Le regard de l'homme doit dépasser l'intermédiaire et voir l'envoyé et le but. Voir Dieu et son œuvre au-delà de l'intermédiaire trop souvent défectueux. Ce n'est que dans les cas de fautes graves qui blessent la foi des cœurs que moi, aujourd'hui, puis mes successeurs, devront décider de couper le membre corrompu. Il n'est pas permis, en effet, que les âmes des fidèles se perdent à cause d'un prêtre devenu un démon. Il ne sera jamais permis, pour cacher les plaies qui pourraient naître dans le corps apostolique, d'autoriser des corps gangrénés à y survivre alors qu'ils éloignent les fidèles par leur aspect répugnant et les empoisonnent par leur puanteur démoniaque. Vous prendrez donc des renseignements sur la famille, dont la vie est la plus correcte, là où les femmes savent rester à part et où les mœurs sont intègres. Vous entrerez là et y demeurerez jusqu'à votre départ de la localité. N'imitez pas les faux-bourdons donc qui, après avoir butiné une fleur, passent à une autre plus nourrissante. Vous, restez où vous êtes, que vous soyez pris en charge par des gens qui vous offrent bon gîte et bonne chère ou par une famille qui n'est riche que de vertu. Ne cherchez jamais ce qui est le mieux pour le corps qui périt. Au contraire, donnez toujours ce qu'il y a de plus mauvais en réservant tous les droits à votre âme. En outre, je vous le dis parce qu'il est bon que vous le fassiez, donnez la préférence aux pauvres pour votre séjour dès que vous le pourrez. Pour ne pas les humilier, en souvenir de moi qui suis et reste pauvre et qui m'en fait gloire. Et aussi parce que les pauvres sont souvent meilleurs que les riches. Vous trouverez toujours des pauvres qui sont justes alors que vous aurez rarement l'occasion de trouver un riche sans injustice. Vous n'avez donc pas l'excuse de dire « Je n'ai trouvé de bonté que chez les riches » pour justifier votre désir de confort. En entrant dans une maison, employez ma salutation qui est la plus douce qui soit. Dites que la paix soit avec vous, que la paix soit dans cette demeure, ou bien que la paix vienne dans cette maison. Car en tant qu'envoyé de Jésus et de la bonne nouvelle, vous apportez la paix, et votre arrivée à un endroit y apporte la paix. Si la maison en est digne, la paix viendra et demeurera en elle. Si elle n'en est pas digne, la paix reviendra vers vous. Cependant, efforcez-vous d'être pacifique, pour que vous ayez Dieu pour Père. Un Père aide toujours. Alors, aidé par Dieu, vous ferez et ferez bien toutes choses. Il peut arriver aussi, c'est même certain, que telle ville ou telle maison ne vous reçoive pas. Les gens ne voudront pas écouter vos paroles, vous chasseront, vous tourneront en dérision, ou même vous poursuivront à coups de pierre comme des prophètes de malheur. C'est alors que vous aurez plus que jamais besoin de vous montrer pacifique, humble, doux dans votre manière de vivre. Car sinon, la colère prendra le dessus et vous pécherez en scandalisant ceux que vous devez convertir et en augmentant leur incrédulité. Alors que si vous acceptez avec paix l'offense de vous voir chassé, ridiculisé, poursuivi, vous convertirez par la plus belle des prédications, la prédication silencieuse de la vraie vertu. Vous retrouverez un jour les ennemis d'aujourd'hui sur votre chemin et ils vous diront « Nous vous avons recherché,
car votre manière d'agir nous a persuadés de la vérité que vous annoncez. Veuillez nous pardonner et nous accueillir comme disciples, car nous ne vous connaissions pas, mais maintenant nous savons que vous êtes saints. Et si vous êtes saints, vous devez être les envoyés d'un saint, et nous croyons maintenant en lui. Mais en sortant de la ville ou de la maison où vous n'avez pas été accueillis, secouez jusqu'à la poussière de vos sandales pour que l'orgueil et la dureté de ce lieu ne s'attachent même pas à vos semelles. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, Sodome et Gomorre seront traités moins durement que cette ville. Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Car vous savez comment le monde, qui en vérité compte plus de loups que de brebis, agit de même avec moi qui suis le Christ. Moi je puis me défendre par ma puissance, et je le ferai jusqu'à ce que vienne l'heure du triomphe provisoire du monde. Mais vous, vous n'avez pas cette puissance et vous avez besoin de davantage de prudence et de simplicité. Il vous faut donc plus de sagacité pour éviter actuellement prison et flagellation. Pour le moment, en vérité, vous avez beau affirmer que vous voudriez donner votre sang pour moi. Vous ne supportez même pas un regard ironique ou coléreux. Plus tard, vous serez fort comme des héros contre toutes les persécutions. Plus fort que des héros. D'un héroïsme inconcevable pour le monde. Inexplicable et qu'on qualifiera de folie. Non, ce ne sera pas de la folie. Ce sera l'identification de l'homme à l'homme-Dieu par la force de l'amour et vous saurez faire ce que j'aurais déjà fait. Pour comprendre cet héroïsme, il faudra le voir, l'étudier, le juger d'un point de vue surnaturel. Car c'est une chose surnaturelle qui dépasse toutes les limites de la nature humaine. Mes héros seront des rois de l'esprit, éternellement rois et héros. En ce temps-là, on mettra la main sur vous et on vous arrêtera. On vous traînera devant les tribunaux, devant les chefs et les rois, pour qu'ils vous jugent et vous condamnent pour ce qui est un grand péché aux yeux du monde, être les serviteurs de Dieu. Les ministres et les défenseurs du bien, les maîtres des vertus. À cause de cela, vous serez flagellés et punis de mille façons jusqu'à subir la mort. Et vous me rendrez témoignage devant les rois, les présidents de tribunaux, les nations, confessant par votre sang que vous aimez le Christ, le vrai Fils du vrai Dieu. Quand vous serez entre leurs mains, ne vous préoccupez pas de ce que vous devrez répondre et de ce que vous aurez à dire. N'éprouvez alors aucune peine, si ce n'est de l'affliction à l'égard des juges et des accusateurs que Satan dévoie au point de les rendre aveugles à la vérité. Les paroles à dire vous seront données à ce moment-là. Votre Père vous les mettra sur les lèvres, car ce ne sera pas vous qui parlerez alors, pour convertir à la foi et professer la vérité, mais ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère donnera la mort à son frère, le père à son fils, les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Non, ne vous évanouissez pas et ne vous scandalisez pas. Répondez-moi, pour vous, quel est le plus grand crime? Tuer un père, un frère, un enfant, ou Dieu lui-même? Dieu, on ne peut le tuer, dit sèchement Judas. C'est vrai. C'est un esprit qu'on ne peut pas saisir, confirme Barthélemy. Même s'ils se taisent, les autres sont du même avis. Moi, je suis Dieu et je suis chair, dit calmement Jésus. Personne ne pense à te tuer, réplique Judas. Je vous en prie, répondez à ma question. Mais il est plus grave de tuer Dieu, cela va de soi. Eh bien, Dieu sera tué par l'homme dans sa chair d'homme-Dieu et dans l'âme de ceux qui tueront l'homme-Dieu. Donc de même qu'on arrivera à ce crime sans que son auteur en éprouve de l'horreur, on en arrivera pareillement au crime des pères, des frères, des fils, contre les fils, des frères, les pères. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre, non par lâcheté, mais pour donner le temps à l'Église du Christ qui vient de naître d'arriver à l'âge, non plus d'un bébé faible et incapable, mais à l'âge de la majorité où elle sera capable d'affronter la vie et la mort sans craindre la mort. Ceux à qui l'Esprit conseillera de fuir, qu'ils fuient, tout comme j'ai fui quand j'étais tout petit. En vérité, toutes les vicissitudes de ma vie d'homme se répéteront dans la vie de mon Église. Toutes. Depuis le mystère de sa formation à l'humilité des premiers temps, jusqu'aux troubles et aux embûches qu'amènera la férocité des hommes, jusqu'à la nécessité de fuir pour continuer à exister, depuis la pauvreté et le travail assidu, jusqu'à beaucoup d'autres épreuves que je vis actuellement ou que je souffrirai par la suite avant de parvenir au triomphe éternel. Pour ceux, au contraire, à qui l'Esprit conseille de rester, qu'ils restent, car s'ils meurent, ils vivront et seront utiles à l'Église. En effet, ce que l'Esprit de Dieu conseille est toujours un bien.
En vérité, je vous assure que vous ne finirez pas, vous et vos successeurs, de parcourir les rues et les villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Car Israël, à cause de son redoutable péché, sera dispersé comme de la paille saisie par un tourbillon et disséminé sur toute la terre. Des siècles et des millénaires, l'un après l'autre, et davantage encore, se succéderont avant qu'ils soient finalement rassemblés sur l'aire d'Orana, le Jébuséen. À chaque tentative, avant l'heure marquée, il sera de nouveau pris par le tourbillon et dispersé, car Israël devra pleurer son péché pendant autant de siècles qu'il y a de gouttes qui pleuvront des veines de l'agneau de Dieu immolé pour les péchés du monde. Et mon Église devra aussi, elle qui aura été frappée par Israël, en moi et en mes apôtres et disciples, ouvrir ses bras de mer et chercher à rassembler Israël sous son manteau, comme le fait une poule pour ses poussins qui se sont éloignés. Quand Israël sera tout entier sous le manteau de l'Église du Christ, alors je viendrai. Mais cela, c'est l'avenir. Parlons du futur immédiat. Rappelez-vous que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Qu'il suffise par conséquent au disciple d'être comme son maître, c'est déjà un honneur immérité. Et le serviteur comme son patron, et c'est déjà de la bonté surnaturelle de vous accorder qu'il en soit ainsi. S'ils ont traité le maître de maison de Belzébuth, comment appelleront-ils ses serviteurs? Et les serviteurs pourront-ils se révolter si le maître, au lieu de se révolter, de haïr et de maudire, reste calme dans sa justice et continue ses œuvres en remettant le jugement à un autre moment, quand après avoir tout essayé pour les convaincre, il aura constaté en eux l'obstination dans le mal? Non. Les serviteurs ne pourront pas faire ce que leur maître ne fait pas. Ils devront au contraire l'imiter en pensant qu'ils sont eux aussi des pécheurs, alors que lui était sans péché. Ne craignez donc pas ceux qui vous traiteront de démons. Il viendra un jour où la vérité sera connue et on verra alors qui était le démon, vous ou eux. Il n'est rien de caché qui ne doit être révélé et rien de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis maintenant dans les ténèbres et en secret, car le monde n'est pas digne de connaître toutes les paroles du Verbe, il n'en est pas encore digne et il n'est pas temps de le dire aussi aux personnes indignes. Vous, quand viendra l'heure où tout devra être connu, dites-le en plein jour. Proclamez du haut des toits ce que je vous dis maintenant tout bas, en m'adressant davantage à votre âme qu'à votre oreille. Car alors, le monde aura été baptisé par le sang, et Satan aura contre lui un étendard grâce auquel le monde pourra, s'il le veut, comprendre les secrets de Dieu. Alors que Satan ne pourra nuire qu'à ceux qui désirent sa morsure et la préfèrent à mon baiser. Mais 8 parties du monde sur 10 ne voudront pas comprendre. Seule la minorité voudra tout savoir pour suivre tout mon enseignement. Peu importe. Comme on ne peut séparer ces 2 parties saintes de la masse injuste, prêchez aussi du haut des toits ma doctrine. Prêchez-la du haut des montagnes, sur les mers infinies, dans les entrailles de la terre. Quand bien même les hommes ne l'écouteraient pas, les divines paroles seront recueillies par les oiseaux et les vents, les poissons et les flots, et les entrailles de la terre en garderont l'écho pour les répéter aux sources, aux minéraux, aux métaux, et tous en profiteront, car eux aussi ont été créés par Dieu pour servir d'escabeau à mes pieds et être une joie pour mon cœur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez seulement celui qui peut envoyer votre âme à la perdition et au jugement dernier, la réunir au corps ressuscité pour les jeter dans les feux de l'enfer. N'ayez pas peur. Ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou. Pourtant, pas un ne tombera sans la permission du Père malgré tous les pièges de l'homme. N'ayez donc pas peur. Mon Père vous connaît. Il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Vous valez plus qu'une multitude de passereaux. Et je vous assure que quiconque me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque pourra renier devant les hommes, à mon tour, je le retenirai devant mon Père. Reconnaître ici signifie suivre et mettre en pratique. Renier signifie abandonner mon chemin par lâcheté, à cause de la triple concupiscence, par quelques calculs mesquins, ou encore à cause d'une affection humaine envers l'un des vôtres qui m'est opposé. Car cela se produira. N'allez pas croire que je sois venu établir la concorde sur la terre et pour la terre. Ma paix est plus élevée que les paix faites par calcul pour se tirer d'affaires jour après jour. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le glaive tranchant, pour couper les lianes qui retiennent dans la boue et ouvrir les chemins au vol du son naturel. Je suis venu opposer les fils au père, la fille à la mère, la bru à la belle-mère. Car je suis celui qui règne et qui a tous les droits sur ces sujets. Personne n'est plus grand que moi quand il s'agit des droits sur les affections. Car c'est en moi que tous les amours se centralisent et se subliment. Je suis père, mère, époux, frère, ami, et je vous aime comme tel, et comme tel je dois être aimé. Et quand je dis « je veux »,
Il n'y a pas de lien qui puisse résister à la créature et mienne. C'est moi qui l'ai créée avec le Père, c'est par moi-même que je la sauve, et j'ai le droit de la posséder. En vérité, les ennemis de l'homme, ce sont en plus des démons, des hommes eux-mêmes. Et les ennemis de l'homme nouveau, du chrétien, ce seront les membres de sa famille pour leurs lamentations, leurs menaces ou leurs supplications. Par conséquent, celui qui aimera désormais son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix quotidienne, multiforme, faite de résignation, de renoncement, d'obéissance, d'héroïsme, de douleur, de maladie, de deuil, de tout ce qui manifeste la volonté de Dieu ou une épreuve qui vient de l'homme et ne me suit pas avec elle, n'est pas digne de moi. Celui qui tient compte de sa vie sur terre plus que de sa vie spirituelle perdra la vraie vie. Mais celui qui aura perdu sa vie sur terre par amour pour moi la retrouvera, éternelle et bienheureuse. Qui vous accueille m'accueille. Qui m'accueille reçoit celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en tant que prophète recevra une récompense proportionnelle à la charité dont il fait preuve à l'égard du prophète. Qui accueille un juste en tant que juste recevra une récompense proportionnée à la charité dont il fait preuve à l'égard du juste. En voici la raison. Celui qui, dans un prophète, reconnaît un prophète, montre qu'il est prophète lui aussi, c'est-à-dire très saint, car l'Esprit de Dieu le tient dans ses bras. Et celui qui aura reconnu un juste comme juste prouve que lui-même est juste, car les âmes qui se ressemblent se reconnaissent. Il sera donc donné à chacun selon sa justice. Mais à qui aura donné même une seule coupe d'eau pure, à l'un de mes serviteurs, fût-il le plus petit? Les serviteurs de Jésus sont tous ceux qui le prêchent par une vie sainte, et les rois peuvent l'être comme les mendiants, les sages comme ceux qui ne savent rien, les vieillards comme les tout-petits, car à tous les âges et dans toutes les classes on peut être mes disciples. Qui donc aura donné à un de mes disciples ne serait-ce qu'une coupe d'eau en mon nom, et parce que c'est mon disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Voilà, j'ai parlé. Maintenant, prions et rentrons à la maison. Vous partirez à l'aube de la façon suivante. Simon avec Jean, Simon le Zélote avec Judas, André avec Matthieu, Jacques fils d'Alphée avec Thomas, Philippe avec Jacques fils de Zébédée, Jude, mon frère avec Barthélemy. Voilà pour cette semaine. Puis je vous donnerai un nouvel ordre. Prions. Et il prie à haute voix.